Et bonjour à tous, c'est Dovakin 117. On se retrouve pour la deuxième étape des 3 jours de Provence entre Gap et Privas. J'hésite entre Gilbert et Barbier pour prendre les points de sprint. Mais je pense que je vais quand même prendre Gilbert. De toute façon, maillot vert, je pense que j'ai aucune chance. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous. La route empruntée par les coureurs aujourd'hui ne laisse que peu de suspense quant au scénario auquel nous devrions assister. Sur un parcours sans difficulté majeure, les équipes de sprinteurs vont mener la chasse aux baroudeurs qui eux tenteront de leur résister le plus longtemps possible pour espérer s'imposer. Allez, deuxième étape. Donc on essaye de marquer des points. Alors cette fois, je vais attendre qu'il y en ait qui partent avant de partir. Alors, qui part? Personne? Là, je vais faire ça. Mettre mes coéquipiers devant. Ah, il y en a qui part. Ah, en gros. Il est bon, je crois, lui. Allez, on suit. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Allez, Gilbert. Pareil, 40 Borough et Van der Horn. Je ne connais pas du tout. On a assez de points d'avance pour maillot vert. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ah bah c'est déjà ça. On va garder le maillot à poids déjà. Oui, je sais, faut prendre les relais. Allez, on collabore. On part à 3 donc. Quand on a un très bon sprinter dans l'équipe, il est logique de rouler derrière les échappés pour favoriser un sprint massif et jouer la victoire d'étape. Sauf si un coureur de cette équipe est présent dans l'échappée. Ah, c'est parfait, il n'y a pas eu de contre derrière. Ça, le peloton, il ne court pas après. On va essayer de prendre les points du sprint quand même. On prend pas beaucoup de temps. Le peloton ne laisse pas beaucoup partir. Attendez. Pourquoi ça s'est enlevé? Allez, on a 5 km du sprint. On se prépare. Ça va partir. Allez, on les suit. Allez, Gilbert! Alors, Mbourou, il est fort. Et on est le plus fort. Yes! Ça, c'est bon. Ça. On a l'air d'être le plus fort du groupe, hein. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à jouer derrière, mais de toute façon, contre Sagan et tout, j'avais aucune chance. Ah, c'est Calmejean qui porte le maillot vert. Le premier doit avoir le maillot jaune.
forcément. Premier, il a forcément le maillot jaune. Bon, on a encore un sprint à jouer après. Pas grand chose à faire dans cette étape. Normalement cette semaine je devrais recevoir The Carry là. Dès que je l'ai, je l'installe. Le second sprint intermédiaire va bientôt être disputé. Le premier empochera 20 points supplémentaires. Et dès que je peux, bah, je fais le premier épisode. Attention. Pars pas. Ah bon, j'y vais hein. Allez, salut hein. Ah, ça c'est fait. 40 points. Ravitaillement. Hop. D'accord, bon, ravitaille. Le gel rouge. D'accord, petite bon, grenadine. Tac, peloton, ils sont énervés. Hein. Ils veulent pas laisser partir. Hein. Je pense qu'on a aucune chance d'aller au bout. Mais... Voilà, au moins prendre les deux points là. Nous arrivons au premier Grand Prix de la montagne de cette étape. Il y aura deux points et un point marqué au sommet. Ah, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Ma manette. Putain. Il est parti à fond, lui. Ah, on est le meilleur. Le peloton a une trente de rotation sur la fois. C'était les meilleurs du groupe. Par contre, on va attendre le groupe suivant parce que là, on est mal là. On dirait que l'échappée, on a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Pourquoi il a pas accroché la roue du premier? Ouais, laisse tomber. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Laisse tomber, on n'ira pas au bout. Le peloton, là, faut que je prenne. Rodriguez. Ouais. Parce que je crois que ça monte un petit peu à la fin. Montélimar, la route sera assez dégagée pendant une dixième de kilomètre. Il y a du vent, il faudra être bien placé. Je vous tiens au courant. Qui veut du nougat? Attention, le vent se lève. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la zone devant là. Il est assez chaud d'ailleurs. J'arrive les gars pour finir le sprint avec Barbier. Ah! Regroupement général, tout va se jouer dans le final. C'est bon, il y a bug là. Plus que 20 km et une dernière côte au programme, classée en 4ème catégorie. Attends, quel magasin il est là? Essayez de lui faire prendre le point. Il y a un point à prendre pour le classement de la montagne. Si je peux passer, ça serait bien. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'ai un petit point à prendre, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas, non? Ah, un petit trou. Petit trou de souris.
Je sais pas s'il y en a qui vont y aller. T'as pas l'air. Ouais, je crois que tout le monde s'en fout du point. Alors, on va pas se gêner, hein. On va le prendre. Hein. Et voilà. Oula, Rodriguez, il est mort. Bon, bon, on a tout le monde. Hop. T'as remporté le dernier capitaine. C'est bien. Continue comme ça, tu conserves ton maillot à poids. On est à 15 km de l'arrivée. Le peloton est groupé et il n'aura laissé. Du coup, je sais pas si je prends Barbier ou... Ouais, il est en meilleure forme quand même. Attends, il est en méforme et l'autre, il est en super forme. Je cherche l'erreur. Tenter de s'échapper ? Non, non, non. On peut parier au sprint. Un espoir aux échappés. À 10 km de l'arrivée, ce sont les équipes de sprinteurs qui imposent maintenant le rythme. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Ça va être chaud, là. Ça va être chaud, chaud, chaud. Allez, on se met en vue. Guidon. Je peux avoir d'énergie pour finir, je crois. Enfin, je m'attends à ça. Je vois pas les autres, j'aime pas. C'est tendu, hein. Il n'y a que John Gulls qui tient là. On peut lui demander d'attaquer. Et puis... On va faire ça. Je suis à 3 km pour le peloton. Tout va se jouer au sprint. Je tiendrai jamais là. Ah, c'est mort. Meurice. On va essayer de prendre Jungles. Un kilomètre. Ça y va. Ah, c'est mort. Un équipe qui sait faire la charge. Ne comptez plus sur lui. C'est bien mort. Putain, j'avais personne pour y aller, sérieux. Mon sprinter, il était mort. Ouais, je pouvais rien faire. Senko qui remporte la victoire d'étape. Il est en tête du classement et il va ressentir que les tours sont aussi derrière pour lui. Il joue les tout premiers rôles. Oh, normalement le maillot à peau. Je sais pas combien on a fait du coup. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Ah. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On perd le maillot vert. C'est pas une journée qui restera dans les annales. Alors du coup. Ouais, on n'est pas au top. Grimpeur, ça va, on a 6 points d'avance. Voilà, maillot vert, c'est mort. Allez, voilà, j'en ai pas. Combativité, ouais, moi j'ai le premier.
Il a marqué 2 points, Gilbert. Ok. Bon, ben, on va se regarder et on va s'arrêter là. On se retrouve pour la dernière étape des 3 jours de Provence. Allez, salut!